Hi Classical Music Lovers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. On commence à y être habitué maintenant, où je vous présente à nouveau 5 albums. 5 albums de référence que je vais commenter un par un. Et bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas encore, ces 5 albums sont à télécharger en haute fidélité sur notre page Patreon. Alors qu'est-ce que Patreon? Eh bien en fait c'est une plateforme qui permet à une communauté de soutenir les créateurs qu'ils aiment. C'est pour cela que vous retrouverez beaucoup de chaînes YouTube qui ont en fait un Patreon. Et donc nous en avons un aussi. Si vous appréciez notre travail, le travail que l'on fait sur les remasterings d'enregistrements historiques, le travail d'édition, sur les commentaires que l'on apporte aussi aux enregistrements. Enfin voilà, tout ça est un investissement, c'est sûr. Eh bien, sachez que vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez à partir de 3 euros. Et il y a aussi une offre un peu plus élevée, 15 euros ou 20 euros, sans engagement. Mais en contrepartie, on vous offre 5 albums à télécharger tous les mois. Ou 3 albums à télécharger tous les mois. Donc, sachez aussi que les albums que l'on vous propose sont le fruit du meilleur de ce qu'on fait en termes de mastering. Classical Music Reference Recording est un label aujourd'hui de remasterisation. Et en fait, on a juste pour objectif de devenir le meilleur label de remasterisation au monde en ce qui concerne les enregistrements historiques. Donc du coup, c'est simple, on investit beaucoup d'argent pour pouvoir produire la meilleure qualité possible. Lorsqu'un enregistrement paraît sur Patreon, c'est un nouveau mastering. Il a été complètement repensé et la qualité est la meilleure que l'on puisse trouver. En fait, ça peut paraître osé de le dire, mais il faut bien un objectif pour driver... l'excellence de la chaîne et l'excellence de notre travail. Et notre objectif est d'être le meilleur label de remastering. Donc du coup, l'investissement est là. On ne veut pas que ça nous limite dans l'atteinte de notre objectif. Et en même temps, vous pouvez nous soutenir et ça nous fait du bien aussi, c'est sûr, parce que le matériel audio coûte cher pour ceux peut-être qui ont du matériel audiophile chez eux. Vous savez très vite comment les prix peuvent grimper. Donc votre soutien sera toujours le bienvenu. Alors sans plus tarder maintenant, je vous présente les 5 enregistrements du mois et après on va les commenter un peu.
Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit panel. On va tout de suite commencer par l'enregistrement phare, qui est celui de Beethoven, avec les 5 concertos pour piano, l'intégrale, par Arthur Rubinstein. C'est une intégrale vraiment très intéressante. Elle date de 1956, et la prise de son est vraiment déjà pas mal. On a quand même bien bossé sur le mastering et maintenant elle est juste exceptionnelle. Le rendu est vraiment exceptionnel. J'aime beaucoup cette intégrale parce qu'Arthur Rubinstein est bien sûr très très célèbre, mais il est célèbre pour ses enregistrements de Chopin. C'est l'un ou pour certains le plus grand interprète de Chopin. Et c'est très intéressant de voir comment il a pu s'attaquer à un répertoire pour lequel on ne le connaît pas trop, donc Beethoven. Cet enregistrement est particulier, il a été réalisé à New York pendant 10 jours. Donc du coup, le fait qu'il ait été réalisé du 6 au 16 décembre 1956 lui donne une homogénéité. Des fois on a des intégrales, mais vous savez, c'est regroupé sur des dates différentes. Des fois plusieurs années de différence. Et après, les labels réunissent les enregistrements et disent « voilà, ça c'est l'intégrale », mais c'est des fois pas le même chef. C'est le cas par exemple de l'intégrale des 5 concertos pour piano de Beethoven par Glenn Gould. On a des chefs d'orchestre différents et des dates différentes. Ici, en 10 jours, les 5 concertos ont été produits, ce qui donne une homogénéité très forte à cette intégrale. Et en fait, toutes les qualités qu'a Rubinstein dans Chopin, on le retrouve dans Beethoven. C'est ça qui est incroyable. Cette façon de faire chanter le piano, ces quatrième et cinquième doigts qui sont si importants en matière d'expressivité mélodique dans Chopin, ben on retrouve cette palette de couleurs dans la façon dont joue Rubinstein, mais pour Beethoven cette fois.
Donc du coup, on a un Beethoven très mélodieux, très expressif, et c'est vraiment très agréable à écouter. Et malgré tout, là où Rubinstein nous surprend, c'est que bon, pour Chopin, on sait que le rubato, cette façon d'accélérer ou de décélérer la phrase musicale pour eh bien, souligner une intention qui est propre à la musique et qui permet, on va dire, de mettre en valeur un sentiment musical, une émotion, un phrasé musical, ce rubato propre à Chopin qui fait qu'on joue en dehors de la mesure tout en restant en mesure, bah chez Beethoven, c'est déjà beaucoup plus carré. Et donc on se dit, tiens, est-ce que Rubinstein va pouvoir être en mesure? Oui, il est en mesure. Il a un jeu à l'architecture impeccable. Et écoutez, ça match parfaitement. Donc voilà, c'est une intégrale dont on ne parle pas beaucoup. C'est surprenant de le voir dans Beethoven et ça vaut le détour. Donc du coup, on vous propose cette intégrale et vraiment la qualité sonore est exceptionnelle. Imaginez 1956, on est au tout début de la stéréo et c'est splendide. On ne fait pas mieux aujourd'hui. Donc ça, on vous laisse le découvrir. Voilà pour ce premier enregistrement. Alors le deuxième, il s'agit de Bruckner, ce fameux adagio de la 7e symphonie interprété par le légendaire Wilhelm Furtwängler. Alors cet enregistrement est très connu. En fait, il est de 1942 en pleine guerre. Et la particularité, en fait, c'est que Telefunken, qui est très connu pour ses enregistrements hein, et pour son matériel, a voulu expérimenter ses avancées techniques en demandant à Furtwängler d'enregistrer des œuvres. Furtwängler a choisi l'adagio de la 7e. Et en fait, c'est vrai que les techniques d'enregistrement que lui ont proposé Telefunken ont permis de capturer toute la richesse de son interprétation. Et en fait, Furtwängler, c'est un chef qui a la particularité d'être massif. C'est-à-dire que tout est dense. Et pour cela, les graves, la section contrebasse, violoncelle, timbales, enfin tout ce qui porte l'orchestre, tout ce qui crée cette densité, ce poids. Tout ça, en fait, grâce à l'amélioration des procédés d'enregistrement Telefunken, tout ça a permis à cet adagio de devenir légendaire parce qu'il pouvait enfin capter toute la richesse sonore de la Philharmonie de Berlin et surtout de la patte que lui imprime Wilhelm Furtwängler. C'est pour cela, d'ailleurs, que plus on avance en arrière dans les enregistrements, bah, plus on capte du haut médium de l'aigu, et au fur et à mesure en fait qu'on avance dans les procédés, dans l'amélioration de la technique d'enregistrement, plus l'ensemble du spectre du très grave à l'aigu peut être capté par les micros. Et donc là, on a une avancée technique formidable où l'interprétation de Furtwängler est vraiment sublimé par cette nouvelle qualité d'enregistrement. Et en fait, ce chef est vraiment... je le considère comme le plus grand chef d'orchestre qui ait existé. C'est vrai qu'il y a des chefs comme Mahler ou Hans... comment il s'appelle encore celui-là ? Un chef du début du 20... à cheval entre le 19e et le 20e siècle aussi, dont on n'a pas d'enregistrement. On ne sait pas trop comment il dirigeait, mais on sait que c'était exceptionnel aussi. Mais Furtwängler a quelque chose de spécial. En fait, c'est peut-être l'un des seuls chefs qui arrive à faire du rubato avec son orchestre, c'est-à-dire qui arrive à accélérer, décélérer, sans qu'il y ait un retard, qui arrive aussi à créer ce climax. Vous savez, climax, c'est ce point culminant dans une œuvre. Et Furtwängler arrive à tenir en bré tout son orchestre, à faire monter la tension, jusqu'à ce qu'à un moment, ça explose.
Et après, voilà, on redescend en tension tranquillement. Ça, c'est ce chef-là le fait comme personne d'autre. Et l'adagio de la septième est taillé pour ça. Ça monte jusqu'à un moment, une explosion de lumière, et c'est pour ça que cette version est devenue légendaire, puisque c'est celle qui traduit le mieux cette montée en tension jusqu'à l'explosion de lumière. Il y a bien sûr d'autres grandes versions, mais celle-là est la meilleure de loin. Donc du coup, vous apprécierez ce mastering. Le but justement de Telefunken, c'était de rétablir toute cette densité orchestrale, ce grave dont j'ai parlé. Eh bien, ce mastering suit cette veine en donnant une densité à cet enregistrement qu'on n'a jamais retrouvé jusqu'à présent dans les éditions remasterisées. Donc, on espère que vous apprécierez le travail qui a été fait. On continue maintenant avec l'offre qui est disponible dans la partie 3 albums du panier. Alors, bien sûr, elle est dans la partie 5, donc l'offre forte du Patreon, mais vous retrouvez ça aussi dans la partie mezzo, les 3 albums de la partie mezzo maintenant. Alors, le troisième album, c'est les 16 danses hongroises, alors on sait qu'il y en a 21, mais 16 danses hongroises de Brahms, Parental Dorati, ces prises de son typiques de Mercury, très proches des instruments qui ont fait la légende. Et alors du coup, c'est pas pour ça seulement que cet enregistrement est une référence, pas juste pour sa qualité sonore, mais aussi parce que Dorati, il est dans le bain, quoi. C'est un chef hongrois qui a tout à fait compris la culture tsigano-hongroise, on va dire, cette culture tsigane, où on a du coup des violons extrêmement vivants, extrêmement dansants, et donc arriver à faire danser toute une section de cordes à l'orchestre, pas juste un soliste, comme on le voit dans la culture tsigane, qui joue avec son violon, mais là, 30, 40 cordes en même temps, qui dansent, qui chantent, qui sont extrêmement vives. Ça, c'est la puissance de la version de Dorati. Version très vivante, avec beaucoup de caractère, qui rappelle vraiment la culture tzigane, et en même temps cette introduction au cymbalum. C'est un instrument traditionnel qu'on retrouve pas seulement en Hongrie, mais en tout cas Antal Dorati l'introduit dans les danses hongroises, ce qui donne en fait à son interprétation quelque chose d'encore plus authentique, quelque chose d'encore plus traditionnel que d'autres versions. Donc l'intelligence du chef liée à ses choix artistiques pour que les danses hongroises sonnent vraiment hongroises fait que cet enregistrement est une référence absolue. Et bien qu'on n'en ait que 16 sur 21, on s'en contente largement. Et donc voilà, on espère que vous apprécierez ce nouveau mastering qui renforce encore la présence et l'impact dynamique de l'orchestre. On poursuit avec le quatrième album de la liste. Alors, j'ai un petit trou de mémoire, je regarde ma feuille. Oui, bien sûr. Donc, des mélodies de Downland. Downland est un compositeur anglais, très connu pour en fait ses mélodies au luth, instrument magnifique. Hein. Mais en fait, ces mélodies sont magnifiques. Et peut-être que c'est l'occasion de rappeler que le premier instrument, c'est la voix. Et que le quatuor vocal, c'est la base. La base, il n'y a rien de plus beau qu'une basse, qu'un ténor, qu'une alto et qu'une soprano chantent ensemble. Voilà, le quatuor vocal, c'est des quatre tessitures vocales de la voix humaine. Eh bien, c'est vraiment ce qui est la base. Et vraiment, là, quand on arrive à ce niveau d'interprétation, ben on redécouvre la voix humaine. Les solistes qui font partie du Saltire Singers, ont aussi été membres du Deller Consort. Et Alfred Deller est très très connu, hein, en tant que chanteur.
Et on sait que c'est un spécialiste de la musique anglaise. Et donc, du coup, ça, les Saltire Singer ont travaillé avec lui. Desmond Dupré aussi, qui est le luthiste de cet enregistrement, a accompagné Alfred Deller durant toute sa vie. Ce qui fait qu'on a une phalange vocale et un instrumentiste qui sont très, très expérimentés. Et en fait, si je devais peut-être choisir un seul enregistrement pour dire voilà ce que peut faire la voix humaine, peut-être que c'est celui que je choisirais. La prise de son est magnifique. C'est une réverbération très naturelle, sans ajout, sans artifice. Et le quatuor vocal est splendide. Voilà. Donc, la voix humaine dans tout ce qu'il y a de plus beau, autant en termes d'écriture musicale qu'après d'interprétation. Voilà, c'est du très, très beau Downland. C'est un disque d'île déserte pour ceux qui sont amoureux de ce compositeur, qui aime sa musique. Alors, le dernier enregistrement, il s'agit, bien sûr, on garde l'un des meilleurs pour la fin, de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra, par Karajan. Et Karajan, entre 1956 et 1964, 1956 et 1964, a été le directeur de l'Opéra de Vienne. Et en fait, durant cette période, il a signé parmi ses plus beaux enregistrements. Je préfère souvent Karajan avec Vienne qu'avec Berlin. Alors, ce que je dis reste relatif, puisque j'ai publié les 9 symphonies de Karajan, de Beethoven par Karajan avec Berlin, hein, bien sûr. Cette période avec Vienne est exceptionnelle. Et tous ces enregistrements de cette époque sont magnifiques. Karajan a plusieurs phases. Il a une phase mono, où il est encore presque sous l'influence de grands chefs avant lui, comme Furtwängler, et on le ressent dans cette 9e exceptionnelle, ou ce Requiem allemand exceptionnel en mono là chez enregistré par Emmy. Et après, en fait, il va se diriger au fur et à mesure vers un style qui lui est propre et qui devient de plus en plus esthétique. Et ça n'enlève rien en fait à son intelligence de direction. Mais on voit cette évolution parce qu'on a la chance de pouvoir l'écouter sur différentes intégrales ou différentes œuvres enregistrées à différents moments de sa vie. Et encore une fois, celle avec Vienne, fin années 50, début années 60, est l'une de ses plus belles périodes. Et son Richard Strauss, Ainsi par les Zarathoustra, est une version légendaire. Hein. Certains préfèrent celle avec Berlin. D'autres préfèrent celle avec Vienne. Je fais partie de ceux qui préfèrent Vienne. Les deux sont à posséder, alors ça sert à rien de débattre. Quand on aime, on veut avoir plusieurs versions. Et donc, du coup, voilà, le remastering est vraiment bien parce que l'orgue ronronne, l'orchestre est extrêmement transparent, beaucoup de présence. Voilà, on est très fiers du résultat. Et encore une fois, Karajan avec la Philharmonie de Vienne, c'est absolument splendide. Donc on vous invite à découvrir cet enregistrement. Voilà pour les 5 albums. J'espère que cette analyse vous a plu. Encore une fois, Patreon est vraiment le moyen qu'on a mis en place pour que vous puissiez nous soutenir, tout en ayant ce côté un peu gagnant-gagnant. On investit beaucoup et on est vraiment heureux que vous puissiez nous soutenir. Et en même temps, on désire vous fournir le meilleur de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de remastering. Et c'est pour ça que vous avez une offre sans concurrence. Vous ne pouvez pas ailleurs acheter de la haute résolution comme on vous le propose à ce prix-là. Ça n'existe pas. Donc voilà, vous êtes aussi gagnant lorsque vous découvrez ces enregistrements. Peut-être petite précision aussi pour ceux qui ont Windows. Sachez que lorsque vous téléchargez nos fichiers, on a eu ce souci avec d'autres abonnés, donc je précise pour le dire, c'est que vous avez besoin d'un extracteur
de type WinRAR, un extracteur de fichiers. Donc du coup, WinRAR se télécharge gratuitement. On va mettre le lien en descriptif de la vidéo. Si vous l'avez, vous pouvez grâce à ça, eh bien, télécharger sans problème les albums. Sachez aussi que c'est de très haute résolution, très haute fidélité. C'est les fichiers master sortis de nos studios. Donc les fichiers sont lourds, pèsent lourd, mais c'est normal, vous avez une qualité exceptionnel en termes de retransmission, donc prévoyez un peu d'espace aussi sur votre disque dur. Mais sachez que si vous avez un minimum de matériel et que vous voulez la meilleure qualité possible, vous avez vraiment apprécié. On s'engage à vous donner vraiment la meilleure de la qualité. Alors sachez aussi que si vous souhaitez profiter des albums qui ont été publiés sur le Patreon avant, c'est-à-dire en février, en mars, puisque l'offre a démarré en février. Vous avez donc raté 10 albums, on va dire. Mais vous pouvez retrouver ces albums sur notre site internet, classicalmusicreference.com. Donc voilà, c'est un prix normal, comme vous pouvez le trouver partout d'ailleurs. Mais en tout cas, on vous garantit que ce sont des fichiers aussi de très haute qualité sortis de nos studios. Et donc, lorsqu'une offre Patreon prend fin, vous retrouvez les albums sur le site, ce qui fait que vous pouvez après, à votre guise, faire votre marché. Voilà. Je vous dis à très bientôt et profitez bien de cette offre.